La Tour Eiffel, la Tour Eiffel, dans l'Orient, tant sanguin. Michel Galabru, mon Dieu, savez-vous que je squatte chez vous tous les mercredis à 20h? Enfin, je parle de votre théâtre à Montmartre, portant votre nom, qui donne un espace aux artistes débutants. C'est Eric, le directeur du lieu, qui m'a programmé. Mais je n'ai pas couché avec lui pour ça, ni avec le régisseur. L'ambiance de la maison est tout autre. Le personnel est gay. Je vous invite à venir voir mon spectacle qui termine à 21h. Comme dirait mon public conquis, le spectacle de Sunny Chan est une excellente transition avant le sommeil. J'investis tant dans votre joli établissement. À votre insu, j'ai transformé la cave en salon de massage cantonné. Dans un espace de 9 mètres carrés, j'ai cloisonné 5 cabines de massage VIP avec les panneaux que j'ai récupérés au chantier de France Inter, les panneaux en amiante. Quand vous êtes le propriétaire, naturellement, je vous offre des coupons de réduction pour 2 séances de massage découverte. Tenez, moins 5 euros. Il s'agit d'une technique ancestrale que ma grand-mère m'a transmise, appelée le massage du dragon qui boite. Je tartine le client d'une préparation sucrée-salée que je récupérais dans le reste du traiteur temps frère. Ensuite, je vous piétine avec les pieds nus dans tous les sens. C'est excellent pour soigner les rhumatismes. Vous viendrez essayer? Ma foi, ça... Tous mes clients m'ont certifié qu'après mes massages, ils n'ont plus peur de la mort. Ah bon? Accessoirement, le salon de massage souterrain fait aussi tabac. Et contrairement à l'intention de l'État, je ne demanderai jamais aux clients de présenter une pièce d'identité. Je ne supporte pas la discrimination. François et Jean-Marc, ont-ils pensé aux fumeurs sans papier? Ont-ils pensé à ceux qui ont une sale tronche sur leur photo d'identité? Non. Je ne transformerai jamais un moment de plaisir en moment d'humiliation publique. Alors Michel, je vous attends dès demain soir à la cave. N'oubliez pas, car toute la semaine est déjà réservée par Franck Ribéry et Daniel Morin. Sunny Chan.